Lisa Gérard, qui va nous rejoindre, sans doute, hein, sans doute avec Brenda Perry, Dive Can Dance. Bonsoir. Installez-vous. Il y a une vraie recherche spirituelle dans votre musique. Il y a une. Alors, il faut les brancher et tout, ouais, s'il vous plaît, un petit peu rapidement. Voilà, je vous demandais, je commençais à vous dire qu'il y avait une vraie quête de spiritualité dans votre musique, et c'est quelque chose qui est finalement assez, assez spécifique aujourd'hui, d'entendre de la musique, des disques, et où finalement la prétention ou la revendication de spiritualité est clairement affirmée. Bah, c'est différent. Cette musique différente. Mais en fait, ce n'est que l'esprit de. Eh bien, que nous puisons de la beauté de la vie elle-même. Voilà. L'amour pour le monde à travers la musique. La musique étant en fait un médium d'expression qui exprime en fait un désir plus profond d'exprimer les choses qui sont normalement très difficiles à communiquer avec les paroles, du moins de notre manière d'utiliser la parole. La mort est un thème qui rôde dans quasiment chacun de vos textes. Mais une mort un petit peu magnifiée, quoi, comme une sorte de réconciliation avec la nature en général, avec le cosmos. C'est un thème d'inspiration. La mort dans le cosmos, ben, pourriez-vous expliquer un peu plus? J'ai eu l'impression que l'idée de mort que vous travaillez dans vos textes, c'est plutôt quelque chose qui est une sorte de passage comme ça, qui réconcilie ensuite l'humain avec la nature, avec les forces naturelles, la mer, la terre, etc. Mais peut-être je me suis complètement trompé parce que vos textes sont assez difficiles. Eh bien, c'est en fait une question que je ne me suis jamais trop posée. En fait, dans le contexte de ce que c'est que la mort, je pense que la raison pour laquelle on s'appelle nous Dead Can Dance, les morts peuvent danser, c'est que la musique, en fait, donne la vie à beaucoup de choses dans ce processus de création. Les choses ne sont pas vraiment mortes. Un objet n'est pas vraiment un objet mort. Un objet a sa propre vie. Mais il faut cette interaction, par exemple, d'une main qui fait résonner un instrument de musique, qui fait vivre cet instrument. Donc pour moi, c'est très difficile de concevoir la mort comme une absolue, une totalité. Vous me comprenez? Oui, je crois. Non, mais comme il y avait beaucoup de références platoniciennes dans vos textes, j'avais pensé qu'il pouvait y avoir une petite tendance panthéiste, spinoziste, mais j'ai dû me tromper. Spinoza? Non, je ne connais pas. Et comment vous faites, alors là c'est une question beaucoup plus prosaïque, comment vous faites pour travailler alors que l'un est dans une île irlandaise et que vous, Lisa, vous séjournez dans les montagnes australiennes, comment on fait pour... on se téléphone, on se faxe, on... Non, en fait notre travail... fait un avec nos vies et donc est affecté par tout ce qui nous arrive dans la vie. Et en fait, l'évolution de notre travail est affectée par tout ce que nous faisons en dehors de ce travail. Quand nous sommes ensemble, en fait, cette évolution devient claire pour nous. Nous ne travaillons pas séparément, nous vivons séparément, mais notre travail, c'est notre vie. Donc, quand nous sommes ensemble, nous avons un nouveau vocabulaire, un nouveau langage qui nous est révélé par ce que nous faisons ensemble.
Il y a une dépendance qui se crée petit à petit. Chacun travaille sur sa vision créatrice de son côté. Nous n'avons pas en fait un rapport qu'on aurait, je ne sais pas, un autre groupe musical. Il est important qu'on s'inspire mutuellement par notre musique, tout en gardant nos autonomies respectives. On vous entendra, merci, on vous entendra tout à l'heure dans un second titre. On termine cette émission en musique avec le deuxième titre de Dead Can Dance, pardon. Je ne sais plus du tout comment s'appelle ce titre. I Can See Now, c'est ça. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne nuit après la musique. Thoughts that